Ajaccio 18e reçoit Lille 12e. La CA poursuit son début de calendrier ardu après Lyon, Lens et Rennes. C'est Lille qui se déplace à François Cottier avec l'intention de vite rebondir au sortir de la lourde défaite 7-1 à domicile contre le PSG. Les Corses n'ont pris qu'un seul point en 4 matchs, c'était lors de la première réception face à Lens. 0-0, tel était le score, et les hommes d'Olivier Pantaloni vont une nouvelle fois miser sur la défense pour faire un résultat, mais aussi essayer de tenter leur chance avec ces frappes lointaines en début de partie qui mettent à contribution Léo Jardim. Derrière, Lille va réagir, le quart d'heure de jeu dépassé et le chef-d'œuvre, l'enchaînement technique de toute beauté pour Youssouf Yezice. Le Turc de retour d'un prêt réussi au CSKA Moscou la saison dernière, a envie de briller avec le LOSC. Dos au but, le petit jongle et la frappe de volée en pivot. Benjamin Leroy est battu. 1-0 pour les Dogs qui vont insister avec Ismaili qui progresse. Le latéral brésilien va servir Jonathan Bamba. Un petit peu dans l'esprit de Youssouf Yezice, mais moins aérien. Contrôle dos au but. Il se retourne, Jonathan Bamba, pour porter le score à 2-0 à la 43e minute. Deuxième but en deux matchs pour Jonathan Bamba. Lui qui avait trouvé le chemin des filets à une seule reprise sur l'ensemble de la saison dernière. 2-0 à la pause pour les Dogs. Le paradoxe, hein, c'est que Lille n'avait pas livré un si mauvais match que cela lors de la déroute 7-1 à Pierre-Mauroy face au PSG. Et là, les bonnes choses entrevues le week-end dernier sont palpables en Corse ce soir. La réussite pour les Lillois qui vont ensuite tuer le suspense avec ce troisième but inscrit par le défenseur portugais Thiago Diallo à la 67e minute. Rémi Cabella est blessé, Mohamed Bayo écarté du groupe. Mais Paulo Fonseca a un effectif dense et de qualité. Et les Corses en font les frais. Ajaccio va réduire l'écart à la 84e minute grâce à Cyril Bayala. Le Burkinabé qui sauve l'honneur. Mais ne pourra empêcher la défaite de l'ACA face aux Lillois. Les Corses ont perdu leurs 8 derniers matchs dans l'élite face au LOSC avec 23 buts encaissés. 3-1, on est en toute fin de rencontre. La faute sur l'anglais Angel Gomez. Monsieur Léonard désigne le point de pénalty. Jonathan David trouve le poteau de Benjamin Leroy. Le score ne bougera plus. Lille s'impose 3-1 et se relance. Ajaccio est toujours relégable avec un point au compteur. La CA affrontera Montpellier, tombeur de Brest 7-0 lors de cette quatrième journée. Lille accueillera Nice, sèchement battu 3-0 contre l'OM.